qui est l'un des plus grands de la série qui nous est proposée aujourd'hui, puisqu'il mesure 1m78. Grand balancier pour la barre fixe. Premier lâcher de barre. C'est maintenant, et c'est un def, salto arrière quand on est avec une vrille complète avant de rattraper la barre. Figure imaginée et réalisée par le Français. Def. Voilà, changement de face en direct avant de l'engager, la dislocation et le grand tour dorsal. Ici déjà changement de face, il prépare la sortie, accélération sur le tour soleil. Et c'est un triple arrière qu'il vous propose. Oulé, ça c'est Adrian Ianculescu qui ouvre donc l'évolution à la barre fixe avec ce triple salto arrière en sortie. Ce qui constitue désormais une figure risquée mais pratiquée par pas mal de gymnastes. Et vous constatez que l'encadrement de l'équipe roumaine a l'air particulièrement satisfait de cette évolution. Voyez ce grand Ianculescu avec le def que l'on voit sur cette caméra formidablement bien placée pour apprécier. Alors on voit ce bien tour la vrille avant la reprise de barre. Et la sortie avec le triple arrière. Voilà. Petit pas en avant qui ne sera pas très grave pour la note, mais la note est la note de départ à la barre fixe. Il est content parce que je pense qu'il devrait tourner autour de 9,40. Car les juges, vous le savez, sont obligés d'établir dès le début de la compétition une note moyenne pour pouvoir. Voilà, 9,40. Eh bien, j'aurais pu faire partie du jury.